Bonjour à tous, bienvenue sur Catho Laïque TV, Cyril qui vous parle. Nous y sommes, voici l'émission, je pense que c'est l'émission la plus importante que j'ai jamais fait à ce jour. Et pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières petites vidéos que j'ai faites pour expliquer ce qui est arrivé, eh bien, ça va être une émission d'abord avec une interview avec Emmanuel, la responsable de la chaîne Saint-Hildegarde, que je vais faire venir dans le studio à l'écran dans quelques secondes. Et c'est une émission qui, comme le dit le titre, le plan ingénieux mis en place par les papes Saint-Jean-Paul II et Benoît XVI pour protéger l'Église fonctionne très bien, fonctionne parfaitement. On va démontrer, c'est quelque chose qui circule déjà un petit peu sur Internet, mais de manière très étayée, avec beaucoup de détails. Et j'ai voulu faire cette émission avec une interview d'une des personnes qui en a le mieux parlé sur Internet, donc Emmanuel de la fameuse chaîne Saint-Hildegarde, pour essayer de synthétiser le message pour l'apporter au plus grand nombre. Voilà, je vous demande de bien partager ceci. Vous ferez votre propre bilan à la fin de cette émission. Je ferai d'autres émissions que je vais greffer sur celle-ci après. Mais celle-ci, je la veux concise, simple et limpide pour qu'elle génère un maximum d'informations à minima pour le plus grand nombre, tout simplement. Voilà. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, mais tout le monde ne l'a pas vu, le point essentiel en préambule que je vais dire, c'est cette fameuse obéissance au pape. Je le réitère, je suis un fils spirituel du Padre Pio, je ne l'ai pas demandé, j'ai une relation très particulière avec lui que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et en fait, il ne faut pas confondre obéissance et rentrer dans une relation erronée. Je m'explique. Si vous prenez, pour illustrer, le Padre Pio, quand il a obéi à des requêtes, à des ordres qui étaient faisables, j'ai envie de dire. Pour vous donner un exemple, si on avait demandé au Padre Pio de transformer la messe en disant « ça n'est pas le corps du Christ, ça n'est qu'un symbole », pensez-vous sincèrement qu'il aurait accepté et obéi? Non, évidemment que non. Vous voyez, il y a obéissance à un ordre donné qui peut être difficile, puisqu'à lui, on lui avait demandé d'arrêter de célébrer la messe en public, par exemple. Et puis, il y a une demande d'obéissance à quelque chose qui est inacceptable, puisque allant à l'encontre même de l'évangile du Seigneur. Et là, nous rentrons dans un cas de figure, vous allez le comprendre dans cette émission. Et c'est pour cette raison que je voulais vous dire qu'il n'y a pas à avoir d'obéissance envers le pape comme on l'entend. Jusqu'il y a à peu près un an, moi, j'ai toujours été dans un postulat de « je veux rien savoir, j'obéis au pape ». Maintenant que je sais le complot qui existe, et vous allez le découvrir dans cette émission encore une fois, contre la véritable Église catholique, comment il a été préparé, comment il a été organisé, comment il est au pouvoir aujourd'hui, mais surtout, comment Saint Jean-Paul II et Benoît XVI ont anticipé leurs actions maléfiques et comment ils ont, pas piégé parce que j'aime pas le terme, mais en effet, ceux qui attaquent l'Église, vous allez les découvrir, on va vous donner leur nom, eh bien, se sont piégés eux-mêmes. Ils se sont fait avoir à leur propre piège. C'est le fameux arroseur arrosé, l'adage qu'on connaît en français. Et c'est un merveilleux plan judicieux, ingénieux, qu'a mis en place Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Et on va vous donner les éléments dans cette émission. Voilà. Donc, je vais tout simplement maintenant appeler Emmanuel, que nous allons accueillir. La voici. Nous avons une image d'Emmanuel et juste à côté, Saint-Hildegarde. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous ? Bonjour Cyril, ça va et vous ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. On a pas mal discuté ces derniers jours, vous et moi, pour préparer cette émission basée sur votre merveilleux travail. J'en profite pour vous féliciter à nouveau.
C'est grâce à vous que moi, j'ai découvert ces informations. Donc, comme quoi, hein, je sais que vous avez beaucoup travaillé, que ça vous a pas mal fatigué, que vous avez été attaqué inévitablement et dans votre vie privée. Et donc, ça n'a pas servi à rien puisqu'aujourd'hui, grâce à vous, on se retrouve aujourd'hui, on va pouvoir le diffuser encore plus à travers le web. Et comme vous le disiez si bien, je tiens à le dire à aller dans cette émission, dans cette vidéo, chers auditeurs, c'est qui donne l'action à Emmanuel, c'est de vouloir sauver les âmes. C'est qu'il y a un maximum d'âmes sauvées. Donc, je trouve ça très beau. Elle fait ceci pour de bonnes raisons. Donc, gloire à Dieu et je vous demande de bien garder Emmanuel et ses intentions personnelles dans vos prières quotidiennes. Alors, Emmanuel, donc, grâce à vous, je découvre alors avant de rentrer là-dedans, je vais demander de vous présenter, excusez-moi. Vous allez vous présenter et ensuite on va faire une belle prière à l'Esprit-Saint. La prière à l'Esprit-Saint, c'est une demande aussi d'Emmanuel. Nous, on prie toujours dans l'émission, mais on va laisser Emmanuel faire cette prière à l'Esprit-Saint. Mais d'abord, merci de bien vouloir vous présenter aux auditeurs. On vous écoute. Alors, voilà, merci Cyril. Donc, moi, je suis surtout de formation scientifique dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine des langues orientales. J'ai vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 17 ans. Je parle le swahili, mais aussi d'autres langues. J'ai vécu aussi en Terre Sainte pendant 3 ans et je parle l'arabe. Donc, le Seigneur m'a donné de faire l'expérience de beaucoup de cultures différentes et d'une vision de l'Église assez élargie. J'ai aussi été appelée par Hildegarde, Sainte Hildegarde, à la faire connaître, voilà 15 ans de cela. Et donc, ça fait 15 ans que je donne des cours sur la santé selon Hildegarde Bingen et où l'aspect spirituel est très important. Et voilà, depuis peu, le Seigneur m'a appelée à faire cette chaîne YouTube et à faire connaître d'autres choses encore importantes pour l'Église. Très bien. Voilà. OK. Au niveau académique, alors votre parcours, j'avais fait l'erreur, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je le réitère, j'en profite ici. J'avais dit dans une émission, alors que j'étais encore aux Antilles, que je pensais qu'Emmanuel était théologienne, elle ne l'est pas, donc c'est une erreur de ma part, une erreur honnête, ça arrive, mais elle prend ses sources au bon endroit. Je vous laisse expliquer, Emmanuel. Oui, en fait, bien sûr, tout ce dont je vais vous parler, c'est pas moi qui suis tombée dessus ou qui l'ai fait connaître la première fois. D'autres avant moi ont abondamment documenté ce dont je vais vous parler. Et il y a eu, voilà, je vais citer 2-3 noms. Donc, un premier canoniste, Don Stefano Violi, a réagi très, très vite en 2013. Et puis, il y a eu Antonio Socci qui a écrit un livre. Et puis, il y a eu des évêques qui ont parlé, et puis en 2020, il y a eu Andrea Cionci qui a fait une enquête et qui a pris ça à bras le corps. Il a beaucoup, beaucoup approfondi ça avec des canonistes, avec des avocats, avec des historiens de l'Église, des latinistes. Et donc, c'est surtout son travail à lui qui va être présenté ici. Et voilà, il s'est appuyé sur tout ce qui existait auparavant, bien évidemment. Voilà. Très bien. Merci pour cette précision. Eh bien, je vous laisse nous mener dans la prière à l'Esprit-Saint, tout particulièrement, et puis on commencera l'émission tout de suite derrière. Voilà, je vais prier une prière composée par Saint Hildegarde à l'Esprit-Saint. Feu de l'Esprit Paraclet, vie de la vie de toute créature, tu es saint, toi qui vivifies les formes. Tu es saint, toi qui couvres de baume les plaies dangereuses. Tu es saint, toi qui soignes les blessures purulentes, ô souffle de sainteté, ô feu de charité, ô douce saveur dans le corps et pluie dans les âmes parfumées de vertu, ô très pure source où l'on voit réunir les étrangers et rechercher les égarés, ô armure de la vie, espérance de l'union de tous les hommes, asile de beauté, sauve les êtres. Protège ceux que l'ennemi a emprisonnés et délivre ceux qui sont enchaînés, ceux que la divine puissance veut sauver. Ô voix de certitude qui passe en tout lieu,
sur les cimes et les plaines et les abîmes, pour rapprocher et réunir tous les êtres. C'est toi qui guides toujours ceux qui savent et les combles de joie en leur inspirant ta sagesse. Gloire à toi donc, à toi qui fais retentir les louanges et rend la vie bienheureuse. À toi espérance, honneur et force, à toi qui apporte la lumière. Amen. Amen. Merci Emmanuel. Je sens que l'Esprit Saint justement m'invite à ce qu'on prie aussi le credo. Ça me paraît très à propos. On va faire un credo et puis un Je vous salue Marie ensuite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, Emmanuel, nous allons commencer par le début. Je vais organiser un petit peu étape par étape. Si jamais je me trompe d'étape, j'en passe une devant l'autre, vous me reprenez, évidemment. Alors, la première étape, je pense que, si je me trompe pas, nous sommes en 1995 avec la création donc d'un groupe qui s'appellera la Mafia de Saint-Gall, c'est ça ? C'est exact. La mafia, il s'appelle entre eux la mafia de Saint-Gall, oui. Est-ce que c'est ça, là, ce que j'ai à l'écran ? C'est oui, eux, pardon ? Tout à fait. Oui. Il y a quelques noms qu'on connaît ? Alors, il y a tous les noms. Il y a tous les noms, là. C'est très bien, ça. OK. Oui, donc c'est un groupe de cardinaux dont on sait l'existence par celui qu'on voit tout en haut de la photo, là, le cardinal Gottfried Dalné, ce qui est un cardinal belge. Hein. C'est lui là, hein, à l'écran. Voilà, très bien. C'est lui. Okay. Alors lui, en 2015, peu de temps avant de mourir, parce qu'il est mort peu de temps après, en étant certain de sa victoire et de leur victoire à eux, il a fait une interview fracassante à la télévision flamande en expliquant candidement qu'ils étaient plusieurs cardinaux à se réunir à Saint-Gall en Suisse, qu'ils s'appelaient entre eux la mafia, et que déjà en 2005, ils avaient essayé de faire élire Bergoglio, que ça n'avait pas réussi, et que maintenant, grâce à la providentielle démission de Benoît XVI, ils étaient enfin parvenus à leur rêve. Donc tout ça, c'est public déjà. Voilà, ça a été publié. Je t'invite, si tu as la vidéo, tu peux la mettre en ligne. Et puis... Alors, on va entendre sa voix, ce fameux cardinal Daniel. J'ignorais qu'il était décédé, tu vois, on a parlé de beaucoup de choses et puis je viens d'apprendre qu'il était décédé, je ne savais même pas. Je découvre plein de choses en même temps que vous, chers auditeurs. Donc là, je vais commencer la vidéo. Vous remarquerez qu'il y a de l'anglais, du français et de la, je ne sais plus, il y a une autre langue. Oui, c'est le flamand. D'accord. Oui. Mais on va entendre un peu au début, je vais faire exprès de mettre en avant de la voix du cardinal Daniels qui se vante que leur groupe se fait appeler la mafia. Et puis, je vais baisser un peu le son pour laisser Emmanuel développer. Oui, donc là, il vient de le dire. Alors, je lis ce qui est marqué en français, qui traduit la voix off du journaliste. Donc, le cardinal Daniels parle pour la première fois du groupe secret de prélats, de haut rang auquel il a appartenu, et cela se passe dans la basilique de Kuckelberg, où l'on présente sa biographie.
Depuis 1996, ce groupe se réunissait chaque année et organisait en secret la résistance au cardinal Ratzinger. Daniels dit, il y avait là quelques évêques, quelques cardinaux trop nombreux pour être énumérés, on s'exprimait très librement, il n'y avait aucun compte rendu, c'était une occasion de se défouler. Ok. Alors, il y avait la, donc la voix off du journaliste. Quand Jean-Paul II meurt en 2005, le groupe met en avant comme son successeur le pape actuel Bergoglio, mais c'est Ratzinger qui est élu. Daniels a du mal à cacher sa déception en 2005. Vous pouvez peut-être remettre le son pour qu'on entende ce qu'il dit là. Mais il ne faut pas attendre longtemps pour que le groupe de Saint-Gall saisisse une seconde occasion. Benoît XVI se retire de manière inattendue. Qu'est-ce qu'il a dit là juste avant, le cardinal Daniels? Alors, il a dit une phrase anglaise où il dit en fait qu'il faut goûter le pudique pour savoir à quoi vous avez affaire. Ça veut dire, ouais. C'est une expression pour dire juger à l'usage, évaluer après expérience. Donc, the proof of the pudding is the eating. Et pourquoi il dit ça? Ben, il dit ça pour dire vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez manger maintenant du Ratzinger. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok. Mais il parle à qui? C'est l'audience, c'est une audience particulièrement… L'audience, c'est toute la Belgique, c'est parce que c'était la télévision belge. Moi, j'ai vu cette interview en 2005 quand il est revenu du conclave qui avait élu Benoît XVI. Tout le monde a vu qu'il n'était pas content. Oui. Alors, une question peut-être incongrue. Est-ce que c'est une audience… Ah oui, c'est toute la télévision, mais l'audience qu'il y avait dans la salle, là, c'était des plus… Est-ce qu'il était dans une espèce d'organisation plutôt progressiste ou moderniste de l'Église? Oui, alors cette rencontre qu'il avait faite, c'était dans une basilique de Kuckelberg, donc la plus grande basilique de Belgique, et il avait, à mon avis, plein de monde, mais ça, c'est déjà en 2015. Tandis que l'image qu'on voit ici, où il parle du pudding, ça, c'est en 2005, au moment d'élection de Benoît XVI. Oui, très bien. C'est deux temps différents. Ok. Je suis dans le bon temps là, de la vidéo ou il faut que je revienne en arrière ou c'est bon là? Non, c'est bon. Alors ici, on voit Jürgen Mettepenningen, qui est l'auteur de sa biographie, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et il dit en 2013, ce groupe a vraiment atteint son but avec l'élection du pape François. En un certain sens, on peut dire que par sa participation à ce groupe, le cardinal a été l'un de ceux qui ont été les artisans de l'élection du pape François. Voilà ce que dit ce monsieur qui a écrit la biographie du cardinal Daniels. D'accord, ok. Avec son accord ou pas? Oui, bien sûr, avec son accord. Et c'est le cardinal qui lui a donné toutes les infos. Et dans cette biographie, on apprend beaucoup plus de choses. Alors, je vous laisse continuer. Ici, on voit donc le cardinal Daniels qui apparaît rayonnant à droite. Vous pouvez faire une pause. Oui. Donc, ici, à droite, tout à droite, le cardinal avec le chapeau rouge, là, c'est le cardinal Daniels. Il est donc invité aux côtés du soi-disant pape François au balcon à Rome. Et depuis lors, il s'y rend régulièrement, mais c'était donc dans le temps, hein, quand il parle ici en 2015, cardinal Daniels n'est pas décédé, mais il s'y est rendu régulièrement. Entre autres, il a été invité pour le synode sur la famille à être un des invités principaux alors qu'il venait d'avoir été frappé d'une enquête judiciaire pour participation et dans une enquête de pédophilie, etc., où il avait protégé quelqu'un. Oui, c'est connu, ça. Oui, c'était connu, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un changement. Il y avait une prise de position, si je ne me trompe pas, de Saint Jean-Paul II vis-à-vis de ce prélat pédophile, qui ensuite a été balayé d'un revers de la main par l'actuel cardinal Georges Bergoglio, c'est ça, alias pape François. Il n'y a pas eu quelque chose à ce sujet-là? L'évêque pédophile, c'est donc pas le cardinal Daniels. Lui, il a protégé cet évêque. C'était un évêque de Bruges. Est-ce que Jean-Paul II, c'était, je pense que ça s'est connu, tout ça a été connu beaucoup plus tard que Jean-Paul II. Parce que ce neveu de cet évêque qui était lui la victime a parlé de tout ce qui s'est passé et avait enregistré le cardinal Daniels qui lui disait, mais surtout n'en parle pas.
Et c'est ça qui était la chose grave, c'est qu'il avait protégé, il n'avait pas pris la victime en comment dire, il n'avait pas écouté. Il y a des enregistrements qui circulent, c'est ça que j'ai vu. Et en effet, et je ne sais plus si c'est Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI qui avait dit non, mais attention, avec lui, il y a des problèmes. Et ça a été balayé d'un revers de la main récemment, là, il n'y a pas si longtemps, avec le cardinal Georges Bergoglio qui l'a. Presque blanchi, c'est possible. En fait. Voilà, qu'il a presque blanchi, en fait. Oui. Et là, c'est une question personnelle. Pourquoi il est le seul à ne pas porter. Vous avez dit, il a la petite, le chapeau rouge. En fait, ils ont tous un chapeau rouge, sauf lui. Il a la petite calotte, lui, hein, c'est ça. Et c'est normal qu'il ne porte pas. Il n'y a aucun signe là-dedans. C'est juste un détail. Je ne sais vraiment pas. Ok, ouais. Je continue. Voilà, ici on les voit s'embrasser. Bon, il n'y a rien d'incongru à ça, hein. C'est une messe, ils s'embrassent. Qu'ils soient exaltés sur le balcon, il y a des préférences, des affinités, ça peut arriver à n'importe qui pour n'importe quelle autre raison que ça. Donc on le met en avant, certes, mais ce n'est pas une preuve en soi. On continue. Non, voilà. Donc en fait, en réalité, c'est grâce à la biographie de ce cardinal Danels qui a été écrite par Jürgen Metepenningen qu'on a vu là, qu'on apprend bien plus sur cette fameuse mafia de Saint-Gall. Parce qu'il explique que plusieurs membres se connaissaient déjà auparavant, dès 1985. Ils avaient tous en commun de vouloir combattre Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger. Et ce groupe, avec le nom qu'ils se sont donné, c'est bien constitué seulement officiellement en 1995 à Saint-Gall en Suisse. Et leur but était ouvertement, ce qu'ils ont écrit, ce qu'il a fait écrire dans cette biographie, c'était de préparer l'après Jean-Paul II, c'est-à-dire qu'une fois que Jean-Paul II serait mort, ils voulaient mettre un des leurs. Or, Jean-Paul II... Pour changer l'Église, pour changer la spiritualité de l'Église. Dans cette biographie, on voit expressément qu'ils expliquent qu'ils se battaient dès 1985 contre toutes les positions que Jean-Paul II prenait, et spécialement aussi contre le cardinal Ratzinger de l'époque, qui était le responsable de la doctrine de la foi. Donc, moi, je peux vous envoyer le lien pour télécharger cette biographie qui existe sur le net. Si vous voulez, on peut la mettre en description de la vidéo. Il y a certains numéros de pages bien précis qui absolument, peuvent vous aider. Absolument, on va mettre ça, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire, merci Emmanuel, que vous aurez un bon nombre de liens que je vais essayer d'expliciter le mieux possible. Emmanuel m'aidera pour que, peut-être qu'on le fera, je vais le faire tout de suite, mais peut-être que ça prendra 48 heures pour être bien, bien détaillé et bien complet. Mais on va bien fournir dans le descriptif de cette vidéo toutes les sources. Vous pourrez aller les voir vous-même. Là, on fait quelque chose de synthétisé. On va droit au but, on va à l'essentiel, mais vous aurez toutes les sources. OK ? On continue. Voilà. Alors, Jean-Paul II a ouï dire de l'existence de ce groupe de Saint-Gall. Est-ce que c'est la vidéo ? On a fini la vidéo ou quoi ? Là, je continue ou pas ? On a fini, oui. D'accord, OK, très bien. Alors, j'enlève ça. Alors oui, alors vous dites, là, on rentre dans le sujet merveilleux de ce plan ingénieux des deux papes. Allez-y. Oui. Donc, en fait, Jean-Paul II savait déjà que plusieurs membres évêques se rencontraient et le contrecarraient. Mais il a entre autres changé la responsabilité du groupe des évêques européens qui était donné au cardinal Martini, qui est un des membres fondateurs de la mafia de Saint-Gall. Il l'a donné à quelqu'un d'autre pour essayer d'un peu couper ces rencontres. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'eux, alors, ont créé cette mafia. Et lui, alors, a donné au cardinal Ratzinger la mission avec lui de préparer ce qu'on appelle une constitution apostolique, Universi Dominis Gregis, en 1996, donc un an après. Et on pouvait peut-être la mettre en... Alors, oui, alors je reprends exactement ce qu'a dit Emmanuel en 96, parce qu'elle parle, elle est en Belgique, donc je reprends, 96, 96, le pape Saint Jean-Paul II, avec en binôme, j'ai envie de dire, je prends des mots à moi, pardon, avec le cardinal Ratzinger, donc qui est le préfet de la doctrine de la foi, futur
Benoît XVI, organisent une contre-attaque parce qu'ils savent, ils sont renseignés que dans l'Église se prépare un groupe de personnes maléfiques qu'ils veulent attaquer et détruire l'Église de l'intérieur, l'Église sainte tradition apostolique, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique, est transformé, comme ils sont en train de le faire en ce moment, et on va d'autant plus en découvrir l'octobre prochain avec le synode sur la synodalité, le compte-rendu en tout cas. Donc là, ce que nous explique Emmanuel, c'est qu'ils se sont ainsi probablement, ils ont dit « bon, maintenant on va préparer quelque chose pour contrer ça, on va les devancer ». Et donc, ce que Emmanuel vient de me demander de mettre à l'écran, c'est la fameuse constitution apostolique. Je vais vous donner un autre mot. C'est une gouvernance. C'est un mot. C'est la loi, en fait. Ce papier, cette écriture de Saint Jean-Paul II fait loi dans l'Église catholique et on ne peut pas y déroger. C'est-à-dire que c'est comme un droit canon, même si ça n'en est pas tout à fait un. Elle va vous expliquer ça dans deux secondes. Mais on a devant nous, là, à l'écran, un document officiel qui est incontournable, que personne ne peut détruire, sauf si on détruit l'Église. Ça n'arrivera pas. Alors, ça s'appelle Universi Dominici Regis. Je le prononce probablement très mal. Mais grosso modo, on était d'accord, Emmanuel, que ça voulait dire le troupeau universel de Dieu, hein, c'est ça? Oui, exactement. Je crois qu'un latiniste saura le dire, mais ce qui importe, c'est que c'est ce qui régit la vacance du siège apostolique et l'élection du pontife romain. Donc ici, on voit en bas, Jean-Paul II, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, et en haut, vous voyez bien qu'on est sur le site du Vatican. Donc si vous descendez dans… Vous savez descendre, oui. Cyril, plus bas. Oui. Oui. Donc vous descendez, on donnera le lien en description de la vidéo, hein. Mais oui. Donc, tout le monde pourra voir et télécharger cette, parce que tout le monde peut la télécharger sur le site du Vatican en PDF. D'accord. Donc, vous descendez et alors, on va voir le paragraphe 81. Est-ce que c'est ça? Alors, oui, c'est ça. Donc, Jean-Paul II, donc, rédige cette Universiti Dominis Gregis et il fait savoir dans ce paragraphe que le fait de se réunir pour faire des accords entre cardinaux pour influencer un conclave en dehors d'un conclave est interdit et frappé d'excommunication lete sententiae, c'est-à-dire automatique. Alors, on peut lire le texte exact. J'essaye d'agrandir. Donc, en outre, que les cardinaux électeurs s'abstiennent de toute espèce de pacte, d'accord, de promesse ou d'autres engagements de quelque ordre que ce soit, qui pourrait les contraindre à donner ou à refuser leur vote à un ou plusieurs candidats. Si ces choses se produisaient de fait, même sous serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu et que personne n'est obligé de le tenir. Et dès à présent, je frappe d'excommunication lete sententiae les transgresseurs de cette interdiction. Cependant, je n'entends pas interdire les échanges d'idées en vue de l'élection durant la vacance du siège. Je vois dans le 82 qui suit, tiens, je vais le mettre à l'écran, parce que ça continue là en fait, 82 qui suit, pareillement j'interdis aux cardinaux d'établir des accords avant l'élection ou bien de prendre par une entente commune des engagements qu'ils s'obligeraient à respecter dans le cas où l'un d'eux accéderait au pontificat. Si de telles promesses se réalisaient, en fait, même par un serment, je les déclare également nulles et non avenues. Alors avant de... Oui, allez-y, pardon. Ben ça, c'est tout à fait ce qui se passe maintenant, parce que comme vous avez vu, donc eux, ils ont fait tout pour faire élire Bergoglio, et lui en retour les a promus dans des premières places. Le cardinal Danis, alors qu'il était sous le coup d'un grave scandale en Belgique, était envoyé pour être dans le synode sur la famille, alors qu'il est pour, on sait qu'il est pour le mariage homosexuel et qu'il a protégé un évêque qui était pédophile. Eh bien, on le choisit pour être un des représentants de base du synode pour la famille. Et de même, un des autres membres de la mafia de Saint-Gall, qui est le cardinal Casper, il parle très vite Bergoglio. Donc le cardinal Casper, vous le voyez ici à droite du Daniels, hein, Walter Casper. Okay. Eh bien, Bergoglio va parler de lui assez rapidement en disant « ça, c'est mon théologien préféré ». Et en fait, c'est un théologien qui a tout bousculé, en gros, pour dire que
le sacrement de mariage, enfin pour abîmer le sacrement de mariage, permettre la communion aux divorcés remariés. Donc c'est une destruction de la foi catholique et du catéchisme de l'Église catholique tel que le Seigneur nous l'a enseigné. Alors, Emmanuel, donc, avant d'aller plus loin, pardon de vous couper, je vais revenir là et je vais vous poser, je veux faire deux points essentiels pour cette vidéo, pour cette émission que nous sommes en train de faire. Premièrement, je vais jouer l'avocat du diable et je vais vous laisser répondre. En quoi, d'après ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qui nous prouve que ça n'était pas tout simplement une rencontre où on discute, ils ont droit entre cardinaux, pourquoi pas, de parler, de discuter. Comment avons-nous la preuve que ce qu'ils ont fait corrobore exactement avec l'interdiction posée formellement, juridiquement, par Saint Jean-Paul II avec ce document ? Alors, on a plusieurs preuves. Donc, la première, je vous en ai déjà parlé, c'est donc la fameuse autobiographie du cardinal Danes, qui explique explicitement qu'ils étaient depuis longtemps tous contre Jean-Paul II et Benoît XVI, et pour casser leur vision de la foi. Vraiment, j'invite tous ceux qui doutent de lire toute cette autobiographie. On voit bien sûr le cardinal Danes dire entre eux qu'il s'appelle la mafia parce que c'est pour expliciter par lui-même avec joie que c'est des rebelles en fait. Hein, c'est des rebelles à Jean-Paul II. Et, donc ils sont pas du tout avec le pape et avec le cardinal. Ils ne sont pas avec le collège des autres cardinaux et avec l'esprit de Saint Jean-Paul II qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. En fait, ils se sont créés, il y a une scission interne qui s'est créée, eux, ils se sont regroupés et ils ont fait exactement ce que Saint Jean-Paul II a interdit pour protéger le bon déroulement de l'élection du souverain pontife. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que parce que c'est l'essence même de cette émission, je vais laisser Emmanuel le réitérer. Ils sont de facto excommuniés. Vous pouvez nous relire cette phrase, s'il vous plaît ? Oui, la dernière phrase, c'est « Dès à présent, je frappe d'excommunication l'été Saint-Ancier, les transgresseurs de cette interdiction. » Voilà. Vous avez entendu, chers auditeurs, là, ce qui vient de se passer, là, ce que vous venez de lire ? C'est un document officiel de Saint Jean-Paul II. Est-ce que le pape François est plus grand que Saint Jean-Paul II ? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ce document n'est plus valide ? Un document officiel de la Sainte Église catholique de Saint Jean-Paul II. Comment peut-il ne plus être valide ? Troisièmement, est-ce que oui ou non, nous avons la preuve que ce groupe de personnes a fait exactement ce que Saint Jean-Paul II, et plus tard nous allons le développer maintenant, Benoît XVI, ont interdit en vue de protéger la parole de Jésus-Christ de Nazareth ? Je vous laisse continuer, Emmanuel. Voilà. Et alors, il y a d'autres choses, d'autres éléments qui sont parvenus par après à nos oreilles. C'était un vaticaniste allemand qui s'appelle Paul Bade, qui va parler beaucoup plus tard, vers 2000, un peu après qu'on entend le cardinal Danes faire sa déclaration. Il va expliquer qu'en fait, en 2005, il va donner des preuves que lors du conclave où Jean-Paul II est décédé, il est à ce moment-là au Vatican, il est invité par Joachim Meissner à faire un petit voyage avec lui sur le lieu où il y a le sanctuaire de Manopelo. Et avec cet évêque, avec ce cardinal, il va savoir en fait que là, à la Villa Nazareth à Rome, réuni par le cardinal Silvestrini, avant même le conclave, se sont réunis et il connaît les noms. Il y a entre autres le cardinal Danes, le cardinal Casper, le cardinal Silvestrini, qui est sur la photo que vous montrez à droite, à côté de Saint-Gall Mafia, on voit Silvestrini. Il y a aussi le cardinal Lehmann, Carlo Maria Martini, c'est un des fondateurs, tout à gauche en haut, c'est le fondateur de la mafia de Saint-Gall, c'était l'évêque de Milan.
dont Xavier Herral vous a parlé dans la vidéo. Il a dit, voilà, il faisait partie d'une loge, hein, ce cardinal. Voilà. Les autres, sans doute aussi, on n'a pas de preuves. Hein, moi, je n'entre pas là-dedans. Mais bon, donc, tous ces cardinaux se sont réunis. On a les preuves aussi en 2005, au moment de la mort de Jean-Paul II. Et le cardinal Meissner était vraiment dans tous ses états, dit Paul Bade, en disant déjà en 2005, ils contreviennent aux règles que Jean-Paul II a éditées, parce que on était avant le conclave et ils s'étaient réunis à la Villa Nazareth pour influencer le conclave. Donc ils sont pas que réunis à Saint-Gall en Suisse. Avant le conclave de 2005, ils s'étaient aussi réunis à Rome. Voilà. Donc on a beaucoup de preuves, on sait très bien, et puis ils l'ont dit eux-mêmes à la télévision flamande, il dit Jürgen Metteppeningen, il dit oui, ils ont, c'est grâce à eux que Bergoglio a été élu. Donc c'est dit ouvertement, et en fait c'est fou parce que c'est dit candidement, comme s'ils avaient, ils étaient sûrs de leur victoire. Ils sont tellement orgueilleux dans leur vanité qu'ils ont été mettre ça sur la place publique. Or c'était frappé d'excommunication l'été saint-ancien, c'est-à-dire automatique. Ça veut dire que automatiquement, ils s'excluent de l'Église. Ils ne sont plus de l'Église. Ils ne sont plus de l'Église catholique. Voilà. Donc, tous, y compris Bergoglio, qui a fait partie de ce complot, puisque déjà en 2005, on sait qu'il était dans la course. On a les preuves, ça, par d'autres choses. On sait qu'il était dans la course par des indiscrétions de cardinaux et qu'il a accepté ce qu'on lui a demandé, et le plan qu'ils lui ont donné de faire, il l'a mis en place. Voilà, on a ici déroulé devant nous tout le plan qu'ils avaient préparé depuis longtemps. Alors, deux choses avant d'aller plus loin. Premièrement, nous comprenons déjà qu'il y a de quoi, il y a assez pour mener une enquête légale avec les bons cardinaux. J'en parlerai à la fin de l'émission du pourquoi ça n'est pas fait au jour d'aujourd'hui. Mais déjà, on n'a pas besoin d'aller plus loin, il y a matière. Ça suffit. Ça suffit pour que légalement, ouvertement, avec la force de l'esprit, ouvertement, devant toute l'Église, on dise stop là. Il y a une enquête à monter et si c'est prouvé, vous allez devoir en subir les conséquences, premièrement. Deuxième chose, je voudrais faire une toute petite parenthèse pour bien cadrer au maximum les objections possibles. Je veux faire une exception avec l'archevêque Vigano. Je vais demander à Emmanuel de nous expliquer succinctement le cas particulier avec l'archevêque Vigano, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi lui ne le ferait pas? Bon, moi, j'ai découvert, je ne le savais pas, c'est grâce à Emmanuel, que l'archevêque Vigano s'est un peu dissocié, pas un peu, même beaucoup, de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI pour des raisons de conviction personnelle, de foi particulière qu'elle va nous expliquer. C'est la raison pour laquelle vous entendrez dire, donc je vous le dis d'avance, vous entendrez dire, l'archevêque Vigano, que cette histoire de mafia, non, c'est plus par rapport à ce qu'on va développer avec Benoît XVI d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, où il aurait dit, c'est un peu une histoire de roman. Mais il n'est pas avec Saint Jean-Paul II, l'archevêque Vigano n'est pas avec Saint Jean-Paul II ni avec Benoît XVI pour les raisons que va vous expliquer maintenant Emmanuel, si vous voulez bien. Oui, je peux en dire juste une phrase maintenant, mais je préfère qu'on en reparle après, parce que c'est justement dans la deuxième partie qui va concerner la démission. Mais en effet, voilà, Vigano, en fait, s'est fait reconsacrer par Mgr Williamson, et il se distancie de tous les papes post-conciliaires, alors qu'il a été lui-même fait évêque par Jean-Paul II. Donc ça, on reviendra après si vous voulez bien, Cyril. Très bien. Post-conciliaire veut dire depuis Saint Pie XII, hein, c'est ça? Oui, ils reconnaissent pas pape tous les papes après Pie XII. Vatican II. D'accord. Très bien. Moi, je voudrais revenir maintenant au paragraphe 76 de la Universi Dominis Gregis. Si tu peux, Cyril, le mettre en ligne. Ah oui, c'était ça, non? C'est ça, oui, voilà. C'est ça. Ok, voilà. D'accord. Alors, je vais le préparer ici. Ok, allez-y. Alors, ici, il est marqué « Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution, ou que les conditions finales fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et donc elle ne donne aucun droit à la personne élue. »
Donc, ce paragraphe est nécessaire pour comprendre que comme on n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 81, l'élection de Bergoglio est nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration d'aucune sorte. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire « Oui, mais il faut attendre que les cardinaux se prononcent. » Ben non. Dans la Universi Dominis Gregis, Jean-Paul II met « sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration d'aucune sorte. » C'est automatiquement nul et non avenu. Alors, le paragraphe suivant du paragraphe 76, c'est celui, le 77, ou en français 77. Alors, oui. Ça, c'est le paragraphe dont on va parler pour la deuxième partie qui va prouver quelque chose au niveau de la démission de Benoît XVI. En fait, Benoît XVI n'a pas vraiment démissionné parce que ce qu'il a fait, ce n'était pas un texte de démission, parce que la démission d'un pape est aussi quelque chose qui doit être régi par le droit canon et ça ne correspond pas à ce que le droit canon demande. Alors, attendez, voyez, Emmanuel, oui. Avant d'entrer là-dedans, je veux juste, pour dans l'intérêt des auditeurs, parce que là, on va rentrer dans le deuxième sujet avec Benoît XVI, en effet, vous allez voir que c'est très bien explicité avec Emmanuel, je veux juste reprendre, parce que c'est tellement lourd et tellement conséquent, le paragraphe 76 qu'elle vient de lire, Emmanuel, dit clairement que si l'élection était faite d'une manière différente, ce qui a été le cas, de ce qui est prescrit dans la présente Constitution, ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, c'est exactement dans le cas de figure dans lequel on se trouve, l'élection est par le fait même nulle et non avenue. L'élection du pape François, du cardinal Georges Bergoglio, est nulle et non avenue d'après la lettre, la Constitution de Saint Jean-Paul II, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet. Et donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue. Le cardinal Georges Bergoglio n'a aucun droit puisqu'il a été mal élu. Il a été élu avec une escroquerie contre l'Église catholique. Est-ce que c'est clair, chers auditeurs? C'est noir sur blanc. Alors, je vous laisse rentrer dans le deuxième paragraphe de notre émission qui est ce qu'a continuer, puisque c'est le plan ingénieux mis en place par les papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI pour protéger l'Église et qui fonctionne en effet parfaitement. Emmanuel, on vous écoute. Voilà, c'est la deuxième partie de notre émission, mais la modification de ce qui s'est passé ici, dont fait référence la Universi Dominis Gregis, donc ici, je vais vous lire le paragraphe et après je vais vous expliciter plus. C'est 67 que vous allez lire, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Okay. Je vous lire le paragraphe 77. Allez-y. Alors, je déclare que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du pontife romain et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la vacance du siège apostolique devait se produire par renonciation du souverain pontife selon la norme du canon 332, paragraphe 2 du Code de droit canon. Voilà, alors le canon 332, paragraphe 2 du Code de droit canon, c'est celui qui régit la renonciation d'un souverain pontife. Et donc, là, on part plus loin dans le temps, parce que ce Code de droit canon… vous pouvez peut-être mettre maintenant la slide du droitcanon.fr, là. Non. Ah, c'est pas ça? Non. Le canon 332, paragraphe 2 du droitcanon.fr, voilà. Code de droit canonique. Ici, donc, vous voyez à droite en français le paragraphe 2 de ce canon. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis, etc. Je vais pas plus loin, mais juste le mot charge traduit en français ici. En latin, c'est « si contingat ut romanus pontifet muneri suo renunciat ». Muneri, c'est le « munus » en latin, et c'est traduit par « charge ». Et en fait, c'est le « munus pétrinien », c'est le fait d'être pape. C'est, si vous voulez, à ce moment-là, le Code de droit canon, en 1983, a changé la façon de renoncer des papes.
Jusque-là, le pape devait simplement dire « je renonce », mais à partir de 1983, il a fallu dire « je renonce au monos », à son monos, à son fait d'être pape, parce qu'on a quelque part scindé le fait d'agir comme pape, qui est le ministerium, et le fait d'être pape, qui est le monos pétrinien. Je vais maintenant vous expliquer donc une autre chose qu'ont fait Jean-Paul II et Benoît XVI pour protéger l'Église par rapport à ce que Benoît XVI explique dans son livre « Dernière conversation » avec Peter Sewald. Très bien. Alors, juste avant qu'Emmanuel nous explique ça, pardon Emmanuel de vous couper à chaque fois, mais j'ai prévenu les auditeurs, c'est vraiment pour simplifier au maximum, parce que vous parlez avec vous avez un discours étayé, vraiment adapté. Moi, je voudrais ramener ça à un discours très simplifié. Vous avez deux mots là qui vont être très importants dans ce que va développer Emmanuel. Vous avez le monus et le magisterium. Ça veut dire qu'il y a deux facette du pape. La plus importante, celle qui fait que c'est toujours lui le pape souverain pontife, et il ne peut pas y en avoir deux, c'est le munus. C'est ce à quoi Benoît XVI, comme Emmanuel va nous l'expliquer maintenant, très clairement, n'a pas renoncé exprès. Il a fait exprès de ne pas renoncer à ça d'une manière judicieuse, ingénieuse, planifiée avec Saint Jean-Paul II. Il a laissé ou fait semblant de laisser le magisterium tout en tenant bien le munus pour dire à l'Église, aux exégètes capables de le comprendre, ce que ne sont pas cette fameuse mafia et le cardinal Bergoglio, la preuve, puisqu'ils se sont rétamés, ils se sont pris les pieds dans le tapis et sont tombés dans leur propre piège qui s'est refermé sur eux-mêmes. Mais le dernier pape, c'est toujours le pape Benoît XVI qui n'a jamais renoncer au munus. Emmanuel, on vous laisse continuer, pardon. Exactement. Donc, peut-être on va prendre alors la slide sur que vous aviez mise auparavant, pourquoi Bergoglio n'est pas le pape en quatre étapes simples, voilà. Donc, la Universi Dominis Gregis demande que ce soit le canon 332, paragraphe 2, qui soit... c'est lui qui régit la renonciation des papes, hein, et il en fait juste référence. Hein. Et ce canon 332, paragraphe 2, vous le voyez ici juste en dessous, demande de renoncer au munus pétrinien. Mmh. Or, dans sa déclaration, qu'on voit maintenant, je vais la lire, Benoît XVI renonce au ministerium. Alors, administrandum agnoscere debeam qua propter bene conscius ponderis ullus actus piena libertate, declaro me ministerio episcopi Romae successori sancti Petri mii me per manus cardinales etc. renunciare ita ut adie 28 februari. Bon. Alors ministerio c'est le ministerium et non le munus. Donc Benoît XVI déclare renoncer au munus. Non, au ministerium. Au ministerium pardon. Oui. Déclare renoncer au ministerium. Et il y a plusieurs avocats et canonistes qui ont dit qu'en fait, non seulement ici, il déclare renoncer au ministerium et donc non au munus, et donc c'est une renonciation tout à fait invalide, mais en plus, si vous voyez, il le dit qu'il va renoncer à cela à partir du jour du 28 février. Or, il fait cette déclaration le 11 février. Dans le droit, une renonciation doit se faire au moment même. On ne peut pas renoncer pour plus tard. Ou alors, on doit confirmer plus tard, le jour J, redire « je renonce et, effectivement à ce que j'ai dit que j'allais renoncer ». Mais comme il ne l'a pas confirmé du tout, c'est encore une preuve supplémentaire que même le ministérium, en réalité, il n'y a même pas renoncé. Il a été forcé d'y renoncer parce que cette déclaration est en fait une sorte de prophétie autoréalisatrice où il dit que à l'ora vicesima, le 28 février, et en fait, l'ora vicesima, c'est une façon de lire l'heure du cadran à partir de 18h le soir, et donc ça correspond en fait au 1er mars à 13h, j'aurais perdu mon ministérium. Pourquoi ? Parce que justement à 13h, ils ont convoqué le conclave.
et ils ont convoqué un conclave pour un pape qui est non abdicataire, qui n'a pas renoncé à son nous, qui n'est pas mort, et donc ce conclave est invalide. Mais ils lui ont enlevé le ministérium. Et donc, en fait, c'est une très grande astuce de Benoît XVI d'avoir fait une sorte de prophétie dans cette déclaration qui n'est pas une démission, qui n'est pas une abdication, qui est juste une prophétie pour tendre un piège à ses ennemis de la mafia de Saint-Gall. Ils sont tombés dedans, ils l'ont mis en siège, empêché, parce que la seule situation où un pape perd son munus, mais le garde de son ministerium, c'est en siège empêché, sede impedita en latin, c'est la situation d'un pape qui est prisonnier, empêché de parler, incapable d'exprimer ce qu'il vit, et donc il est en situation de siège empêché. Il a été donc pendant 10 ans prisonnier au Vatican, incapable de parler, sinon par code. Et donc toute la recherche en fait d'Andrea Cianci a été de montrer qu'il était en siège empêché et qu'il a parlé par des codes. Andrea Cianci montre quels sont les codes qu'il a employés pour dire « Écoutez, en réalité, je suis toujours votre pape. » Mais il a commencé par… Andrea, c'est qui celui-là ? Andrea Cianci, c'est donc un journaliste italien qui a beaucoup écrit sur le domaine du Vatican, et puis a décidé d'enquêter à partir de 2020, et ça dure 4 ans. Il a une chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Il a lancé une pétition auprès du tribunal du Vatican déjà il y a plus de 6 mois, qui fait maintenant 15 000 signatures, mais ce serait bien que ça augmente. On peut vous mettre le lien de cette pétition. Oui. Mais non seulement cela, il a aussi déposé une enquête au tribunal du Vatican le 6 juin dernier en demandant que les cardinaux ouvrent cette enquête. Et il l'a fait avec des canonistes et des avocats pour dire qu'en fait, cette démission était invalide et qu'ils doivent dire que Benoît XVI était notre dernier vrai pape jusqu'à sa mort le 31 décembre 2022. Bon, alors juste pour récapituler, dans le grosso modo et d'une manière un peu plus vulgaire, mais c'est vraiment pour que tout le monde comprenne, même s'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas besoin de ça, j'en suis sûr, vous avez 3 choses distinctes. La première, c'est que il y a 2 choses distinctes entre le siège et le magistère, on appelle ça le munus et le magisterium. Clairement, Benoît XVI, ne renonce dit vouloir renoncer au ministérium, tout en donnant exprès une date ultérieure, sachant que dans le droit canon, ça n'est pas possible, il faut réitérer le jour de la date qu'il dit clairement « je renonce », ce qu'il n'a pas fait. Donc, tout un stratège, tout un plan ingénieux qu'on voit à l'écran, qu'on a compris là dans l'émission jusqu'à maintenant, où il se met dans une situation. Et la troisième chose, pardon, c'est qu'il prophétise qu'il sera empêché. Et il tombe dans ce piège, entre guillemets, dans le propre piège, puisque c'est eux qui l'ont créé à la base, cette fameuse mafia de Saint-Gall. Ils tombent dans leur propre piège et tout avait été anticipé par Saint Jean-Paul II, pardon, et Benoît XVI, clairement, comme c'est explicité maintenant. Et donc là, on est clairement dans un échec et mat. Il n'y a plus rien à ajouter. Maintenant, il y a juste à utiliser le juridique. Et là, on rentre dans un autre domaine. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais c'est en effet, et c'est cette demande dont parle Emmanuel, dont on va mettre les liens. Il y a des signatures demandées. Mais il y aura d'autres moyens et je m'en occupe d'une manière ultérieure, mais j'en parlerai pas ici. Je vous ferai une émission spéciale là-dessus sur ce que je vais mettre en place de mon côté avec d'autres personnes. On est plusieurs au niveau international. Mais là, on a tout ce qu'il faut pour dire stop, arrêtez cette usurpation, ce mensonge et cette escroquerie. Nous sommes, nous, les enfants de Dieu, les fidèles de l'Église catholique sainte apostolique dans la tradition du Seigneur, le catéchisme de l'Église catholique. Nous sommes
dans notre maison. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des usurpateurs, des menteurs et des escrocs. Donc, hack, comme on dit hein, dans le film La Résurrection, ou plutôt la Passion du Christ, comme disent en araméen les Juifs à Judas, hack, allez-vous-en. Allez-y, Emmanuel, je vous laisse continuer. Oui. Alors, on sait un peu plus aussi que, toujours dans le livre de Dernière conversation de Peter Sewell, Benoît XVI déclare expressément qu'il avait reçu de Jean-Paul II carte blanche en 1983 pour modifier le droit canon afin de créer de nouvelles normes et structures juridiques qui sanctionneraient une certaine saleté dans l'Église, toutefois différente du fléau bien connu des prêtres pédophiles. Donc, il n'a pas osé dans ce livre prononcer le mot de franc-maçonnerie ecclésiastique. Ah oui. Mais on sait très bien que c'est justement en 1983 que Édouard Gagnon, l'archevêque qui avait été mandaté par Paul VI pour enquêter sur la franc-maçonnerie ecclésiastique, avait fait un rapport à Jean-Paul II en 1983, comme le précise le père Charles Moore, je sais pas comment on prononce, M-U-U-R, dans son livre « Franc-maçonnerie Vaticane ». Donc, la même année où Jean-Paul II fait revenir Édouard Gagnon parce qu'il l'avait d'abord envoyé au Canada au moment où il avait été élu, et puis quand il y a eu l'attentat contre lui, contre Jean-Paul II, il a fait revenir Édouard Gagnon et a voulu approfondir cette franc-maçonnerie ecclésiastique. Et c'est donc à ce moment-là qu'il donne carte blanche à Benoît XVI pour modifier le droit canon. Et c'est à ce moment-là qu'on voit arriver dans le droit canon la distinction pour le pape entre monos et ministerium. Donc, savez qu'il y a deux étapes où ils ont agi quelque part. C'est déjà dès 1983 et puis ensuite en 1995 avec la Universi Dominis Gregis qui fait référence à 1983. Et encore autre chose, c'est que si vous allez sur le site de la Universi Dominis Gregis, vous voyez tout en haut qu'il y a, si vous voulez la remettre… Oui, tout en voilà, haut. Tout en haut, voilà, tout en haut. Vous allez voilà. Voir qu'il y a une modification qui a été faite par Benoît XVI à cette Universi Dominis Gregis dans la période entre le 11 février, ah oui, là. Descendez un petit peu, voilà, lettre apostolique en forme de motu proprio sur quelques modifications aux normes relatives à l'élection du pontife romain, 22 février 2013. Donc, lui, le 11 février, dit que dans 17 jours, il aura perdu son ministérium, mais entre l'intervalle du 11 février et du 28 février, c'est-à-dire le 22 février, il fait encore des actes en tant que pape. Il prouve qu'il est toujours le pape, qu'il agit comme pape. Il prouve qu'il est toujours le pape, oui. Voilà, il prouve qu'il est toujours le pape et il va encore modifier des normes. Et puis, il ne va pas confirmer qu'il n'est plus le pape parce qu'il ne va pas déclarer renoncer. Voilà. Donc, ça encore un petit clin d'œil pour montrer que Benoît XVI était très ingénieux, en fait, et que ce n'est pas du tout par non-connaissance du droit canon comme voudraient le faire ceux qui, avec Mgr Vigano, disent qu'en réalité… Alors voilà, on peut revenir à ces gens donc qui disent que depuis le Concile Vatican II, il n'y a plus de vrai pape. Ah oui. En réalité, donc tous ces gens n'ont pas sont en dehors de l'Église catholique. Hein, ils se sont excommuniés par eux-mêmes parce que en ne reconnaissant pas le magistère des véritables papes post-conciliaires. Ils s'excommunient automatiquement et ils disent en fait dans leur théorie que Benoît XVI a en fait créé là une double papauté qui était chère aux modernistes. Mais Benoît XVI a constamment dit il n'y a qu'un seul pape. Ça c'était un de ses codes qu'il constamment les gens lui disaient en fait il y a une double papauté, il y a un pape émérite et il y a un autre pape et lui disait non, il n'y a qu'un seul pape. Il n'a pas dit lequel mais c'était évidemment lui puisqu'il a signé, il a continué à signer de sa plume, par exemple le livre qu'il a coécrit avec le cardinal Sarah, il l'a signé Pontifex Pontificum PP, c'est-à-dire la signature du pontife. Il a continué à donner sa bénédiction apostolique aux fidèles par des courriers
Et puis, il a aussi dit dans un des textes, il a gardé sa soutane blanche, il est resté dans l'enceinte du Vatican. On lui a demandé pourquoi vous n'enlevez pas votre soutane. Il dit, j'ai pas trouvé d'autre soutane. Hein? Et en fait, dans le livre Dernière conversation, toujours de Peter Sewald, il explique, je suis le premier pape à démissionner après 1000 ans. Mais en réalité, le dernier abdicataire réel qui a vraiment abdiqué, c'était Grégoire VII en 1415, qui, lui, c'est pas 1000 ans avant. Donc, c'est pas de ça que Benoît XVI parlait. En réalité, exactement 1000 ans avant Benoît XVI, en 1013, il y a eu le pape Benoît VIII, qui, lui, était dans la même situation que Benoît XVI. Il avait renoncé uniquement au ministérium, mais il n'avait pas abdiqué réellement parce qu'il avait été mis en prison par un roi. Ah, il y a un précédent, donc. Il y a un précédent, et donc Benoît XVI, en faisant référence, c'est un code qu'il donne. Wow. Un code, oui, je suis le premier pape à démissionner après 1000 ans. En fait, c'est un code qui veut dire, en réalité, j'ai pas vraiment démissionné. Voilà. Donc, et dans son dernier discours du 28 février, il dit explicitement, le toujours est un pour toujours. Il n'y a plus de retour dans le privé. Ma décision de renoncer à l'exercice actif du ministérium ne supprime pas cela. Je ne retourne pas à la vie privée, à une vie de voyage, de rencontre, de réception ou de conférence. Je n'abandonne pas la croix, je reste d'une façon nouvelle près du Seigneur crucifié. Je ne porte plus le pouvoir de la charge du ministérium, mais dans la prière, je reste, pour ainsi dire, dans l'enceinte de Saint-Pierre. Donc, en fait, et ça, c'est vraiment la veille du jour où il va être mis en siège empêché, il nous dit que c'est pour toujours qu'il est avec nous. Il est toujours notre pape et de là-haut, en réalité, Benoît XVI est toujours là. Et donc, nous devons rester toujours fidèles à son magistère. Le magistère de Jean-Paul II et de Benoît XVI, c'est le magistère auquel nous devons rester fidèles aujourd'hui. Amen. Merveilleux. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces lumières, ces éclaircissements sur la situation de l'Église actuelle. Au niveau objectif, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qu'on devait ajouter, qu'on doit absolument ne pas oublier? Oui, je voudrais ajouter qu'en fait, ce qui nous aide dans la confusion actuelle, c'est le dogme de l'infaillibilité pontificale. Jésus n'a jamais menti quand il a dit « les portes de l'enfer ne prévaudront pas » et « je prierai pour toi pour que ta foi ne défaille pas » et par la pierre. Donc, ce dogme est fondamental. Il n'y a jamais eu de pape hérétique, contrairement à ce que disent certains. Celui-là qui est sur le trône de pierre maintenant, c'est un antipape. Et pour info, il y en a eu déjà 40 antipapes dans l'histoire de l'Église. Donc, l'antipape, c'est celui qui est élu. Merci, Emmanuel, de nous rappeler ça. Merci. Continuez, oui, pardon. Oui, l'antipape, c'est celui qui est élu de manière non canonique et qui donc est un concurrent du vrai pape légitime dont il usurpe l'autorité. Celui qui adhère à l'antipape est un schismatique et encourt les peines prévues par le droit canon. Donc, être antipape ne signifie pas automatiquement être antichrétien, parce qu'il y a eu des saints antipapes qui se sont retrouvés. Il y a eu des périodes où il y avait un pape et un antipape, mais pas forcément hérétique. Mais cela dépend du fait que l'antipape n'a pas le monus pétrinien, c'est-à-dire l'investiture divine, le sceau de garantie par lequel Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, rend le pape infaillible, c'est-à-dire dans son magistère extraordinaire. Oui. Oui. Que n'a pas abandonné Benoît XVI. Merci Emmanuel. Trois choses me viennent à l'esprit. Il faut que je vous parle de la prière, la demande de prière du cardinal Bergoglio, de sa parole sur les homosexuels et de l'obéissance au pape. Ça me vient fortement, donc je vais le dire. Les amis, je vais commencer par... mais si j'oublie l'un des deux, Emmanuel, vous me le redites s'il vous plaît. Le premier, l'obéissance. Je l'ai dit en préambule de cette émission, je vous ai pris comme exemple. Est-ce que Saint Padre Pio aurait accepté qu'on lui demande, Padre Pio, à partir de maintenant, tu diras à la messe que c'est du pain et du vin et c'est le symbole du Seigneur, mais ça n'est pas le vrai corps du Christ. Aurait-il accepté? Aurait-il obéi? Je vous montre les limites de l'obéissance. Les limites de l'obéissance, c'est dans la vraie foi catholique. Si on lui avait demandé aussi, je le disais dans l'émission juste avant, dans une vidéo que j'ai fait tout à l'heure en revenant du sport, si on avait demandé à Padre Pio de bénir
le péché, une union homosexuelle, de bénir l'union, l'aurait-il fait ? Bien sûr que non. Il aurait fait bien mieux que ça. Il les aurait pris à part, tous les deux. Il leur aurait dit, raconté, dévoilé leur vie depuis leur naissance, puisqu'ils lisaient dans les âmes. Il leur aurait dit, voilà, tu as été blessé tel jour, il s'est passé telle chose. Voilà comment le malin est entré dans ta blessure et voilà comment il a installé le péché. Accepte le Christ. Accepte le Christ en tant que pécheur que nous sommes. Et sois sauvé. Voilà ce qu'il leur aurait dit. Il n'aurait pas obéi bêtement au mensonge et à quelque chose qui ne vient pas du Christ. Comprenez bien ce que veut dire l'obéissance. Oui, je ne sais plus en quelle année c'était exactement où il a eu ses problèmes, le padre Pio a obéi, mais on lui a demandé des choses qui étaient difficiles, mais auxquelles il pouvait obéir. On ne lui a pas demandé des choses qui étaient complètement hors normes. Comprenez bien cela, c'est ça la différence. On n'est plus en 1960, il est décédé en 68, on est en 2024. La configuration n'est pas du tout la même. Je voulais aussi dire, le cardinal Bergoglio joue son rôle. Faut pas croire que le malin, je suis pas en train de dire que le cardinal Bergoglio, c'est le diable. Je pense que le diable a sa place et qu'il a ses marionnettes. Okay. Mais le cardinal Bergoglio, le diable ne se présente pas avec des cornes et avec une fourche. Il se présente comme un agneau. Il se présente comme Lucifer qu'il est, c'est-à-dire l'ange de la lumière. Il va même faire des miracles. On le sait à la Salette, depuis la Salette, qu'il va y avoir, quand l'Antichrist va prendre le pouvoir et qu'il va s'installer, vraisemblablement, ils sont en train de préparer le terrain sans même le savoir, mais quand l'Antichrist va s'installer à Rome, il aura même des pouvoirs en tant que ultime serviteur du démon, il aura des pouvoirs. Et ça, vous le comprenez dans les exorcismes de la Sainte Église catholique, que le malin a des pouvoirs. La seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est l'obéissance et l'humilité. Mais il a des pouvoirs extraordinaires, de guérison, de que sais-je, des choses qui vont épater l'Église, la fausse Église, en disant « oui, oh, c'est merveilleux, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'un envoyé de Dieu ». On va vers ça, là, les amis. Donc, j'étais en train de dire que le cardinal Bergoglio, quand il nous le demande, la première chose qu'il demande, « priez pour moi, priez pour moi », ça paraît très élogieux et ça ressemble à quelque chose qu'on attendrait du souverain pontife. Oui, mais c'est pas sa place. Il n'est pas devenu, on ne devient pas pape, qu'il n'est pas d'ailleurs, on vient de le démontrer très clairement, on devient pape pour demander des prières pour soi-même. On n'est pas pour être un autre Pierre, pour paître, c'est quoi en français, Emmanuel? Pour paître le troupeau, paître. C'est ça? Oui, paître le troupeau. Paître le troupeau, c'est ce que demande le Seigneur Jésus. Il dit, paie mon troupeau, tu m'aimes vraiment plus que là. Trois fois, il lui demande, paie mon église. C'est ça le rôle de Saint-Pierre. Et deuxième chose, ah oui, les homosexuels. Alors, j'ai déjà dit dans l'émission, je finirai là-dessus, Emmanuel, après je vous donne la parole. Je disais dans mon émission tout à l'heure, dans la vidéo que j'ai faite tout à l'heure en revenant du sport, comme je disais, je vais faire une émission spéciale pour les homosexuels. Pour vous spécialement, pour vous montrer qu'on est en train de vous utiliser comme un bouc émissaire pour faire un plan maléfique. Il est en train de vous utiliser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu facile pour quelqu'un qui se prend pour le pape de dire « qui suis-je pour juger les homosexuels ?» Mais un pape n'a pas à dire ça, puisque l'Église ne juge personne. Jésus n'a envoyé juger personne. Il n'a pas créé l'Église, il n'a pas constitué et mis en place un pape et 12 apôtres pour juger les hommes. Il est venu pour sauver par son amour. La croix, c'est l'amour et l'amour, c'est la croix. Il est venu pour sauver. Donc, cette parole n'est pas la parole d'un pape. Un pape ne dit pas « qui suis-je pour juger un assassin ? Qui suis-je pour juger un adultère ?» dans ce cas-là. Pourquoi il a pris exactement les homosexuels? Je vais vous le dire, mais je ferai une émission spéciale là-dessus. Parce qu'il surfe sur la vague de la fausse charité, de la tolérance nauséabonde mondaine. Il vient sur cette vague
pour leurrer le peuple lobotomisé que nous sommes aujourd'hui. En 2024, on est tous à la rue, complètement lobotomisé que nous sommes avec nos télévisions, nos smartphones et les réseaux sociaux. Donc, il vient dire la chose idéale pour leurrer le peuple. Mais la vérité, je finirai là-dessus et je ferai une émission encore une fois, je le dis pour la troisième fois, pour vous les homosexuels, pas que j'ai besoin de le faire, mais à cause de cela, je vais le faire. La vérité, c'est que Jésus aime tout le monde d'abord, mais puisqu'on parle des homosexuels là, enfin que j'en parle moi, Jésus aime, vous aime les homosexuels, il vous aime à la folie de la croix. Il est mort pour vous. Il ne fait que vous aimer. Dieu ne fait que vous aimer. Tout le reste vient du malin. Par contre, Dieu, Jésus, l'Esprit Saint déteste ce qui tue nos âmes, ce qui nous envoie loin du paradis éternel, vivant avec la Sainte Trinité qui nous attend dans le ciel. Il nous veut avec vous, avec eux, ils nous veulent avec eux, la Sainte Trinité, et ils veulent nous sauver. Donc, ils détestent le péché. C'est ça qu'ils détestent. Ils aiment les pécheurs. C'est pour ça que Jésus est venu nous aimer avant même qu'on puisse l'aimer. On ne l'aimait pas. Il est mort sur nous sur la croix alors qu'on ne l'aimait pas vraiment. Lui, il nous aimait à la folie pour nous sauver. Par contre, il déteste notre péché tellement. Il déteste le péché qu'il est venu mourir sur la croix pour vous montrer. Regardez. Voilà ce que je fais pour vous détacher du péché. Revenez à moi, les enfants. Et je finirai vraiment là-dessus. Il y a les outils dans l'Église catholique pour arrêter d'être un meurtrier, arrêter d'être un adultère, arrêter d'être un masturbateur, arrêter d'être quelqu'un qui regarde de la pornographie, arrêter de boire de l'alcool, d'être alcoolique, pardon, parce que boire de l'alcool, c'est pas nécessairement mauvais. On peut boire du vin entre amis. Arrêter d'être drogué, arrêter d'être homosexuel. Ce sont des choses qui peuvent se rééquilibrer. Combien y a-t-il d'homosexuels qui, par la prière de libération, simple prière de libération et la pénitence, comme moi, qui a dû faire pénitence et prière de libération pour arrêter la pornographie, la masturbation et la fornication, vous pouvez être sauvés, les amis. J'en suis un exemple et j'ai des amis homosexuels à qui c'est arrivé. C'est ça la vérité. Donc, je vais faire une émission là-dessus, mais je m'arrête. Emmanuel, on en est où ? Voilà. Donc, en fait, si un pape est hérétique, c'est qu'il n'était pas élu de façon canonique. Donc, toutes les hérésies qu'on a vues se répandre ici à Rome, c'est parce qu'il n'est pas le pape, parce qu'il n'existe pas de pape hérétique. Et d'ailleurs, pour info… Très important. Oui, le catéchisme de l'Église catholique demande que quand on a un véritable pape, l'assistance divine est aussi donnée d'une manière spéciale à l'évêque de Rome, pasteur de toute l'Église, lorsque sans parvenir à une définition infaillible et sans se prononcer de manière définitive, le pape prononce dans l'exercice du magistère ordinaire un enseignement qui conduit à une meilleure intelligence de la révélation en matière de foi et de mœurs. À cet enseignement ordinaire, les fidèles doivent adhérer avec la révérence religieuse de l'esprit qui, tout en se distinguant de la révérence de la foi, en est cependant le prolongement. Donc, concernant le magistère des véritables papes qui sont Jean-Paul II et Benoît XVI, nous devons avoir cette révérence religieuse et ne pas faire comme tous ceux qui se sont coupés de Benoît XVI et de Jean-Paul II en les traitant d'hérétiques. Ils ne sont pas hérétiques, ils n'ont jamais été hérétiques. Maintenant, nous avons affaire à l'hérésie et c'est parce que tout simplement, la personne qui est là, assise sur le trône de pierre, n'est pas pape. Et c'est pour ça qu'il y a l'hérésie. Et en fait, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, nous n'avons pas au Vatican un pape hérétique ou un magisterium hérétique. On a des personnes qui usurpent cette place, mais qui ne sont ni pape ni magisterium. D'ailleurs, les cardinaux qui ont été nommés avec le cardinal Bergoglio, pour le coup, ne sont pas cardinaux. Et en fait, c'est pour démontrer ce que vous venez de dire, si j'ai bien compris, que quand le Seigneur a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église, donc il ne peut pas y avoir d'hérésie, et il ne peut pas y avoir, pardon, de contre... De pape hérétique.
de pape hérétique, puisque attendez, je l'avais au bout de la langue, c'était cette histoire, ah oui, de l'infaillibilité, c'est ça? Répétez ça, s'il vous plaît. Voilà, le dogme de l'infaillibilité pontificale, qui est en fait donné par la phrase de Jésus, « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. » Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Super. Bon, bah, c'est très clair. On ne peut pas être plus clair que ça, les amis. Emmanuel a été, comme d'habitude, superbe. Elle est super dans sa chaîne. Vous devez tous vous abonner parce qu'il y a une richesse sur sa chaîne d'informations. Je vous invite tout simplement, parce que je ne vais pas développer là, mais vous allez avoir le lien pour aller vers sa chaîne. Et allez au moins voir sa chaîne, abonnez-vous en plus, mais allez voir sa chaîne, vous allez voir d'autres sources sur d'autres choses que j'ai pas voulu évoquer dans cette émission pour la garder concise, simple et claire. Mais vous allez voir qu'il y a encore plus de sources, il y a encore plus de révélations sur cette vérité. Mais là, on est dans du concret, on est dans du juridique, on est dans la loi, on est dans la vérité. Indéniable, indestructible. Voilà. Oui. Et je voudrais ajouter, si tu veux bien, Cyril, que ceux qui sont déjà abonnés, qui vérifient ils ont toutes les notifications, parce que beaucoup, en fait, ne reçoivent pas toutes les notifications. Alors, vous allez, quand vous allez sur la chaîne de Hildegarde, donc d'Emmanuel, dont le lien sera sous la vidéo, vous verrez pour rejoindre ou s'abonner, et vous cliquez, il y a une espèce de liste, 4 options qui se présentent, et il y a recevoir toutes les notifications. Bah, vous cliquez ça là-dessus, c'est la cloche, en fait, la fameuse cloche, et comme ça, vous aurez toutes les notifications, et vous pouvez faire la même chose avec Catho Laïque TV, parce que si jamais vous l'avez pas fait, en effet, il y a peut-être des vidéos que vous ratez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Emmanuel? Parce qu'on va faire une prière à la fin, mais est-ce qu'on y est à la fin? Oui, je pense que c'est bon. On peut prier la Sainte Vierge qui va écraser le serpent et qui aura la victoire en ces derniers temps. C'est ce que je disais dans une émission, figurez-vous, j'ai ressenti, j'ai dit, mais grâce au travail qu'on a fait ensemble, et vraiment grâce à vous, Emmanuel, moi, sans vous, je n'aurais pas compris la moitié. Et en fait, je commence à ressentir ce fameux triomphe du cœur immaculé de Marie, qu'on ne sait pas exactement ce qui va être, mais avec un pape comme Saint Jean-Paul II, si ingénieux, et Benoît XVI, qui, rappelons le titre de Saint Jean-Paul II, c'était quoi? Totus, rappelez-moi, tous, s'il vous plaît. Tous, tout qui à veut toi. Dire tout à toi, tout hein, à c'est toi. Ça. Oui. Et ça, c'était envers la Vierge Marie, c'est ça, hein? Oui, oui, il s'était consacré et il portait constamment le scapulaire du Mont Carmel, il le portait également pendant sa douche. Il en avait un qui était plastifié. Quand il prenait sa douche, il avait le scapulaire plastifié. Et puis l'autre, quand il n'était pas. Voilà. Jean-Paul II, c'est moi, vraiment la Sainte Vierge qu'il a formée dans son cœur immaculé. Elle le dit à Don Gobi. Voilà, je vais approfondir ces thèmes-là sur ma chaîne. Si vous voulez vous abonner, vous aurez plus sur Jean-Paul II et son lien avec la Vierge Marie. Gloire à Dieu. Merci Emmanuel. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous faites pour l'Église. Merci pour le don de vous-même pour les âmes. Merci pour votre joli sourire, parce qu'on la voit là à l'écran. Hein? Elle est toute mimi. Et puis, merci pour votre charité, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de partager ce temps avec nous. Et puis, je vais vous laisser nous guider dans la prière à la Vierge Marie. Et puis, on va se quitter là-dessus, les amis. Oui, je vous remercie aussi Cyril de m'avoir invité. Merci d'avoir encouragé et demandé la prière pour moi. Je continue à demander la prière pour moi. Et on va prier donc un « Je vous salue Marie » ensemble. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Je vais prier pardon en vous. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Les amis, j'ai quelque chose à vous dire qui n'est pas anodin, mais alors pas du tout. Emmanuel, s'il vous plaît. Oui. Quelle heure est-il, s'il vous plaît, chez vous? Ah, il est 15h. Il est 15h pile, les amis. Il est 15h pile au moment où on termine cette émission. C'est pas un signe, ça? Si, c'est un signe. On peut aussi juste dire la phrase de
Allez-y. Du chapelet de la miséricorde divine. Allez-y, Emmanuel. Je te laisse le dire, Cyril, parce que je suis trop émue, en fait. Ok. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton très cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Père saint, Père fort, Père éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Et du monde entier. Père saint, Père fort, Père éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Père saint, Père fort, Père éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Merci du fond du cœur, Emmanuel. Merci pour ce que vous faites. Merci pour qui vous êtes. Que le Seigneur bénisse votre famille et votre travaux. On se reverra très probablement pour une autre émission pour développer. En tout cas, vous allez avoir tous les liens, les amis, sous cette vidéo. Peut-être pas à la minute même où ça va être mis en ligne, parce que avec Emmanuel et moi, peut-être qu'on va travailler sur les liens, faire en sorte que ce soit vraiment bien, bien, bien échaudé. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour voir s'il n'y a pas des liens supplémentaires, si jamais d'aventure dans les 48 heures prochaines, on en a rajouté. Demain est la fête de l'Assomption. Que le Seigneur vous bénisse, que la Vierge Marie vous garde sous son manteau. Elle est vraiment au milieu de tout ce qu'on fait. Merci, Maman Marie. Merci de nous aimer, de prier pour nous et de nous guider sur le vrai chemin de la vraie vie, de la vraie sainte foi catholique apostolique. Merci, maman. Emmanuel, à bientôt. À bientôt. À une prochaine, Cyril. Merci. Soyez bénis de Dieu. À bientôt.